Bonjour à tous, c'est le Mat du 29 et on se retrouve sur ATS. Donc là on part de Reading et on va jusqu'à Auckland. Donc c'est parti, on a pour environ, il nous reste 6 heures et 6 minutes avant d'arriver. Donc c'est parti, j'ai pas pris une trop grosse mission de toute manière. Donc maintenant on va aussi s'acheter les garages, ben, dès qu'il y en a qu'on peut acheter, parce que il n'y en a pas dans toute la ville. Toi, t'as intérêt à me laisser passer. Allez, go, c'est parti. Donc, on prend la route et puis c'est parti. Ah, merde. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc nous ici, on prend la voie express, donc c'est par là. Ben, la voie rapide du moins. La deux fois deux voies. Ah ou. Il n'a pas eu mon clignotant quoi. En même temps, c'est moi qui devais laisser passer normalement, mais bon. Hop. Allez, en 18. Ouh. À 55. Voilà. Pas trop vite non plus. Hein. On ne fait pas si nous. Ah, si, comme il est comme 10, déjà 18h. Donc on va se mettre à fond. Les feux, alors du coup. Donc, normalement, j'ai pas besoin de dormir là. Et puis, 5 heures, normalement. Ouais, il me reste 13 heures avant de dormir, donc c'est bon. Alors, je sais pas si à Auckland, parce que c'est là qu'on va et qu'on n'a pas encore découvert d'ailleurs cette ville, je sais pas du tout si il y aura un garage ou pas. Donc, si jamais je peux l'acheter, s'il y en a un, je l'achète et puis voilà. J'ai l'argent hein, de toute manière. Là maintenant ça va être au fur et à mesure, on va acheter les garages. Pour l'instant j'ai deux chauffeurs, donc les deux chauffeurs pourront aller dans un. L'un dans un garage, l'autre dans l'autre si jamais j'en achète. Et puis après si j'ai assez pour m'employer d'autres personnes, je mettrai minimum peut-être deux. Deux par garage, comme ça au moins ça fera des bons. Des bons. De l'argent quoi. Par contre. J'aime bien avoir de la musique. Mais. Du coup, là. Et ben on peut avancer tranquillement. Donc il nous reste. Bah il nous reste plus déjà que 4h50. Donc ça va aller relativement vite. Du coup, bah on y va. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc pour l'instant on est limité à 55, mais je pense que comme on est du côté du Nevada, ce sera 55 tout le temps. Bien l'essence j'en ai fait, donc normalement il y a relativement assez, on est au plein, on est au rempli, on est full là, donc c'est bon. Au niveau du sommeil c'est bon aussi, donc ça c'est bon. Tiens la route Matt. Du coup demain dans farming, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai essayé de. Donc j'ai trouvé une carte qui me convient bien, qui a de la fabrique
et en même temps qui est pas trop grande et pas trop petite, donc elle est moyenne, mais elle est hyper bien au niveau des productions. Donc on verra ça demain, on fera le tour demain aussi dans l'épisode qui sera en fait pas un épisode, mais un peu comme un épisode pilote, c'est-à-dire on fera le tour de la carte, le tour de toutes les productions et tous ces trucs-là. Mais ça, on verra ça demain pendant l'épisode, ou demain ou après-demain, on verra comment ça se passe. Mais je crois que ce sera plutôt demain. Hop. En bref, j'ai trouvé une carte et ça me tenait. Je tenais à en avoir une bonne, pas être sur les trucs d'origine, mais bon. Donc c'est pas une carte d'origine, mais elle est quand même pas mal. Et donc on fera le tour ensemble, du coup, sur l'épisode de farming. Donc on verra quand ça sera. Soit demain, soit après-demain. Je verrai ça. Bah, vous verrez bien. Et après, je verrai qu'est-ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je vende ou pas des véhicules. Pour ne garder que les. Que un tracteur et une moissonneuse pour moi, ça suffira. Au pire, je vendrai. S'il y a plusieurs tracteurs, j'en vendrai. Et puis, je m'en achèterai un gros. Et puis, c'est tout. Un gros ou un moyen, et puis voilà, on verra. Putain, devant ils avancent pas à cause d'un camion, quoi. Ah, vas-y. C'est bon, quoi. Donc là, on arrive dans 3h20. C'est la mission qui aurait été le plus rapide possible sur cette carrière-là. Mais je sais pas s'il y a un garage à. Comment ça s'appelle? À Auckland. Tiens d'ailleurs. On va faire un tour sur la carte. Donc Auckland c'est là. Non, par contre il y a un atelier de réparation mais il n'y a pas de garage. Donc du coup ça sera uniquement. Comme ça, bon d'accord. Si j'ai le temps, je sais pas si je ferai. Une suite après, mais on verra. Putain, il m'énerve à freiner là. Ah bah d'accord. Tout ça pour ça, quoi. Ah, il faut qu'on aille peser. Peser ou c'est bon? Je sais pas parce que le bouton est vert donc c'est normalement c'est bon. Ah, il passe vert. Donc en fait c'est bon. Donc ils savent qu'on est bon donc ils nous laissent passer quoi. Sympa les gars, merci. Par contre, je vais faire gaffe parce qu'ici on est à 15 normalement. Donc maintenant on n'a même plus besoin de passer, ils savent où notre poids. En fait, ça doit être un système. Une fois que t'as fait une pesée une fois, c'est bon quoi. C'est super ça au moins. Au moins ça nous fait moins de travail, ça c'est clair.
On n'a plus besoin de passer au opposé. Ils nous pèsent direct. Mais en fait, je pense qu'ils reçoivent l'information avec le boîtier. Ce qui nous permet d'éviter tout simplement de faire des... de s'arrêter et puis de dire voilà, on attend qu'ils nous pèsent quoi. Tant mieux, remarque. Moi, ça m'indiffère, moi, ça me fait... Ça me fait moins de choses à faire. Si je peux gagner du temps, je m'en fous. Bon, allez. Donc, il nous reste 2h28, bon, 2h30 quasiment. Ben, un peu moins de 2h30, on va dire. Avant d'arriver. Et je pense qu'on va bientôt sortir. Ouais, on sort par ici, d'accord. Donc direction. Auckland du coup. Hop. Il n'y a personne, donc c'est bon. Par contre, là, il faut aller tout droit. Mais je pense qu'il y aura une sortie prévue pour aller pour là. Donc, normalement, je peux rester sur ma voie, il n'y a pas de souci. On va dire une vingtaine de minutes, c'est bien pour l'épisode aussi, hein, des fois. Par contre, il faudra que je finisse dans la journée, c'est l'épisode, bah la route. Alors si j'ai le temps de terminer, alors à mon avis oui, parce qu'il ne reste plus qu'1h40 quasiment. Donc c'est bon. Ça c'est fait déjà. À mon avis, on arrive bientôt. C'est pas là la sortie, mais ça doit être la prochaine, je pense. Pas celle-ci, mais celle d'après. Auckland, San Francisco, ouais, c'est ça. Donc, peut-être que. Alors, après, quand j'aurai déverrouillé toutes les villes, ce qu'on fera, c'est qu'on fera en sorte aussi d'acheter les garages si on peut. Et une fois qu'on aura acheté. Qu'on aura acheté tous les garages et que chaque garage aura au moins allez, deux chauffeurs, deux employés, et ben on pourra dire qu'on aura terminé la carrière là-dessus. Mais là pour l'instant il n'y aura pas d'autres DLC pour d'autres villes, pour débloquer d'autres villes, hein, donc d'autres états. Bien que là on a déjà Nevada, Californie et Arizona. C'est déjà pas mal. Allez, 1h02 qui reste. Non, ça va aller. Même pas, il reste 1 heure, même pas. Il reste 37 miles avant d'arriver. Donc je pense que la sortie ne devrait pas tarder à arriver. Hop. Auckland, San Francisco toujours. Et bien sûr, demain du coup on se retrouve demain ou après-demain sur la nouvelle carte. Donc là j'ai pas le nom en tête. Mais une fois qu'on sera dessus. Ben je crois que c'est. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Bien c'est pas une française parce que pour mon serveur j'ai trouvé une map française qui s'appelle Val Farm. Elle est super. Elle a beaucoup de production. Production de palettes, production de planches, production de papier, production de yaourt, crème, crème dessert,
Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a encore plein de trucs comme ça, des gâteaux, des... de l'huile de tournesol, du soja, du lait de soja. Elle a des serres, donc tomates, tomates, framboises, je sais plus quoi encore. Elle est vraiment complète. Elle est pas trop grande non plus, mais c'est ce qu'on recherchait aussi. Parce qu'on en avait marre, c'était on était sur Lawfall, mais elle était pas terrible, elle était chiante. Bien qu'on avait bien avancé dessus, mais le seul problème c'est que il y avait un bug au niveau de l'herbe sur le champ 38, autour du champ 38. Bon, je vais m'attendre. Allez, on y arrive. Auckland découvert. Alors, Oka. Wakaland. Wakland. Je sais pas comment on dit, mais tant pis. Je dis comme je pense. Après, on verra si c'est bon ou pas. À mon avis, je peux démarrer en 4, en 6 même. Normalement, je peux même démarrer maintenant. Parce qu'on est aux États-Unis. Aïe, non. Oh putain, c'est bon, on fait chier. Oh putain, merde. Ouais, bah merci. Bon, ça va, j'ai rien à réparer. Ouais, on a 270 millions quand même. Bon, bah du coup. Par contre, celui-là, je vais le fermer. Non, ça va, on n'est pas trop loin. Fallait bien que je me troll plus vite. Je pense qu'on peut rester en 12. Bah tiens, on revient au même point. Non, cette fois-ci, faut pas que je me troll, moi. Hop là. Et donc on arrive à notre point de livraison. Donc, il faut que j'aille par où? Ah, c'est où notre point de ralliement là? Putain, et comment se perdre facilement? On m'a dit pas que c'est entre les containers là-bas. Hein. Oh si, oh. Bon allez, c'est parti, on y va.
Du coup, c'est entre ceux-ci. Donc, ce que je vais faire, déjà, premièrement, on va se mettre là. Du coup, déjà, non, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je tourne. Oh la vache. Oh la merde quoi. Pourquoi je vais caler? Putain, c'est bon quoi, merde. Ouais, je suis pas si mal. Elle me dit pas qu'il y a moyen d'aller par l'autre côté. Non, je pense pas. S'il y avait moyen, j'aurais trouvé le moyen, mais là non. Ah, oh, puis j'aime bien me compliquer la tâche aussi des fois. Merde. Hey, t'empêche que là. C'est bon, je peux détacher ou... Yes! Allez hop! Excellent, paf! Ça c'est fait. Bon! Bah nous on va se retrouver la semaine prochaine pour du ATS, ou sinon de la prochaine fois, ça, donc cette semaine, ça sera du Farming 17 sur la nouvelle map. Allez, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Ciao ciao et à la prochaine!